Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour notre rendez-vous et j'aimerais avec vous partager quelque chose d'important. Ce quelque chose d'important, c'est comment perdre sa bénédiction. Vous me direz, oh là, qu'est-ce que ça veut dire Oui, nous avons parlé de bénédiction, mais là, je vais également vous dire que il est possible de perdre sa bénédiction et nous allons voir comment il est possible de perdre cette bénédiction. Nous irons dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Du verset 32 au verset 44. Donc, je vais vous le lire, hein, le verset 32 au verset 44 de Marc, Marc, chapitre 6. Alors, ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule. Et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à les enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était avant, déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit Combien avez-vous de pains? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent Cinq et deux poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à toute la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux et de pain. Et de ceux qui restaient des poissons, ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Amen. Voilà, c'était comment perdre sa bénédiction. Il est possible de perdre sa bénédiction. Je dirais même qu'il est facile. De perdre sa bénédiction. Ici, nous voyons que Jésus était en train d'évangéliser. Il était en train d'enseigner, et une grande foule était là, et en train d'écouter. À un moment donné, les disciples ont constaté qu'il faisait nuit, que la nuit tombait, et qu'il fallait renvoyer la foule déjà parce qu'il n'y avait rien à manger. Et Jésus dit non, donnez-leur vous-même à manger. Je dis mais c'est pas possible, Seigneur. Tu vois tout ce peuple qui est là? Comment nous pouvons lui donner à manger Ce n'est pas possible. Il dit, si, vous pouvez leur donner à manger. Et comme il insistait, Jésus leur dit, qu'est-ce que vous avez entre vos mains Qu'est-ce que vous avez à disposition Et ce qu'ils avaient à disposition, c'était cinq pains et deux poissons. Que Jésus a pris. Ces cinq pains et ces deux poissons. Donc le centre de notre message, c'est le verset 39. Le verset 39 dit Alors il leur commanda de les faire, asseoir, de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Et ils prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Et ils partageaient aussi les deux pains. Les deux poissons entre tous. Jésus donne un ordre à ses disciples. Il dit Allez voir toute la foule qui est là. Faites-les asseoir d'abord. Et je crois que nous vivons cela dans nos maisons. Même nous-mêmes, lorsque nous étions petits, lorsque nos parents voulaient nous donner à manger. Vous savez qu'un petit garçon, une petite fille, un enfant, ça joue tout le temps. Ça court par-ci, par-là. Ça bouge tout le temps. Mais quand arrive le moment de manger, que dit le, le papa ou la maman Viens, assieds-toi. Et tant qu'on n'est pas assis, papa ou maman ne peut pas nous donner à manger. Et là, c'est ce que Jésus dit. Jésus dit à ses disciples, alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe et euh, sur l'herbe verte. Donc, tant qu'ils n'étaient pas assis, nous voyons là, la suite c'est que c'est quand ils étaient assis par groupe de 100, par groupe de 50, que Jésus a pris les pains, a pris les poissons. Il a rendu grâce, il les a rompus et il a donné aux disciples. Maintenant, aller pour les distribuer. Il fallait qu'ils s'asseyent d'abord pour recevoir ce qui leur était destiné. Tant que tu n'es pas assis, tu ne peux pas recevoir ce qui t'a été destiné. Bien-aimé, cela est très très important. Où es-tu assis? Regardez même quelque part, lorsque tu n'as pas une adresse fixe. Et que les gens veulent t'envoyer du courrier. Veulent t'envoyer quelque chose. Où est-ce qu'ils peuvent te joindre Tant que tu n'as pas donné une adresse, on ne peut pas t'envoyer un courrier. Mais quand tu as donné une adresse, on peut t'envoyer un courrier. Donc c'est important d'être assis quelque part pour recevoir la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. Donc ils se sont assis. Et quand ils ont été assis, Jésus donne un deuxième ordre à ses disciples. Il dit maintenant prenez et aller distribuer. Nous avons vu tout à l'heure qu'ils étaient assis dans l'herbe verte. Ils se sont tous assis pardon, sur l'herbe verte. Est-ce que c'est confortable Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Pour quelqu'un qui est très, très bien habillé, peut-être avec des vêtements clairs, Blanc ou jaune et tout ça, tu t'assieds sur l'herbe, qu'est-ce qui va se passer Tes vêtements vont être tachés. Donc, est-ce que tu es assis C'est le fait de s'asseoir qui est vraiment important. C'est ça qui compte dans le cœur de Dieu. Si tu n'es assis nulle part, comment veux-tu que Dieu t'apporte ta bénédiction Et souvent, Dieu nous met dans une église. Bien aimé, c'est sûr que l'église n'est pas parfaite. Il y aura toujours des choses bien comme des choses moins bien. Mais ce qui est important, est-ce que je suis assis dans cette église-là Est-ce que c'est là que Dieu a voulu que je sois Et là, ils étaient assis, ce n'était peut-être pas confortable pour tout le monde. Mais il fallait qu'ils soient assis pour recevoir leur part de nourriture. Et je veux donc insister, où es-tu assis C'est important que tu saches où tu es assis pour recevoir ta part de nourriture. Je disais tout à l'heure que celui qui est sans domicile fixe ne peut pas recevoir quelque chose, un courrier par exemple. Même aujourd'hui avec l'informatique, l'Internet et tout, nous, avons, nous sommes obligés d'avoir une adresse Internet. Hein, une adresse mail pour que quelqu'un nous envoie un courriel. Donc c'est important d'être assis. Si tu n'es pas assis, tu vas perdre ta bénédiction. Pour cela, je vais vous donner un témoignage. Une sœur un jour avait besoin d'un enfant. Elle a crié à Dieu pour avoir cet enfant. Elle a crié à Dieu pour avoir cet enfant. Et vraiment, l'église a eu compassion à crier avec elle. Puis, elle a crié, elle venait à l'église, comme elle n'a rien reçu, elle s'est levée, elle est partie ailleurs. Un dimanche est passé, deux dimanches sont passés. Le troisième dimanche, voilà quelqu'un qui arrive dans l'église. C'est par la suite qu'on a su que ce quelqu'un n'était qu'un ange de Dieu. Cet homme arrive dans l'église avec un paquet. Et cet homme est assis et dit. Où est la sœur qui a l'habitude de s'asseoir à telle place Parce qu'elle avait une place à laquelle elle s'asseyait. Où est la sœur qui s'assoit toujours à cette place Puis le pasteur dit, non, ça fait trois dimanches qu'on ne l'a pas vue. On n'a pas de ses nouvelles, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle devient. On l'appelle, elle ne répond pas. Ah bon Mais pourquoi Il dit, non, j'avais un cadeau pour elle. J'avais mis un paquet pour elle et je ne l'ai pas. Mais écoutez, puisqu'elle n'est pas là, je donne ce cadeau à la personne qui est à côté. Et ce monsieur a donné le paquet à la personne qui était à côté. Oh, ce n'était pas grand-chose. Mais nous avons vu que y avait une signification spirituelle derrière. C'est que la d'autres dame qui était aussi à côté, elle aussi dans son cœur, elle pleurait pour avoir un enfant. Et, quelques temps après, celle qui avait reçu le cadeau est tombée enceinte et a eu un enfant. Voilà comment on peut perdre sa bénédiction. Quand on n'est assis nulle part. Il y a des cadeaux importants, bien aimés, que nous ne pouvons recevoir que lorsque nous avons une demeure. Dans Jean chapitre 1, nous lirons les versets 38 et verset 39. C'est important que nous puissions lire ces deux passages-là. Jean chapitre 1, verset 38 et 39. Je lis ceci. Jésus se retourna et voyant... Qu'il le suivait. Donc, je peux lire au verset 35 pour mieux vous rendre compte du contexte. Le lendemain, Jean était encore là avec, ses deux, avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit Voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit Que cherchez-vous Ils lui répondirent Rabbi. Ce qui signifie maître, où demeures-tu Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Il est important donc de demeurer quelque part. Lorsque Jean a parlé de Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu, ils ont suivi Jésus. Et Jésus dit, mais attends, vous cherchez qui Qu'est-ce que vous cherchez ils ont dit, mais nous cherchons ta demeure. Où est-ce que tu demeures? Là, nous voulons être aussi avec toi. Parce que nous savons ce qui est en toi. Et Jésus dit, venez et voyez. Et ils sont allés, la Bible dit qu'ils ont vu où il demeurait. Et parce qu'ils ont vu où ils demeuraient, ils sont restés. Je disais donc qu'il y a des cadeaux importants qu'on ne peut recevoir que si nous avons une demeure. Si nous n'avons pas de demeure, on ne peut pas le recevoir. Parce que Dieu va donner ses cadeaux par un canal. En parlant par exemple de l'Église, le canal que Dieu va, dont Dieu va se servir pour envoyer ce cadeau, ce sera le canal du pasteur par exemple. Il est le berger de l'Église. Donc ta bénédiction passera au travers du berger. Si tu n'as pas de demeure, si tu n'as pas de lieu où tu es, comment veux-tu recevoir Tu es prêt à perdre donc ta bénédiction. La deuxième chose qui est là, c'est que beaucoup suivent la foule. Suivez le mouvement. Or, il est important de ne pas suivre le mouvement. Nous lirons dans, Jean, dans Luc, pardon, chapitre 10. Nous irons dans Luc, chapitre 10, du verset 5 au verset 7. Luc 10, verset 5 au verset 7. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. N'allez pas de maison en maison. Voilà ce que la Bible nous recommande encore. Demeurez là où vous avez été accueillis. N'allez pas de maison en maison. Voilà comment nous perdons notre bénédiction. La chauve-souris qui a. On ne sait pas d où, d où, de quelle famille euh, appartient à la chauve-souris, parce qu'un jour, il est venu euh, chez des souris, qui étaient en conférence, en réunion familiale, et puis il dit écoutez, je suis qu'une souris, regardez mes dents, je suis une souris. Et puis il dit ok, d'accord, mais attends, tu es quand même bizarre en tant que souris, tu as des trucs bizarres sur les, le dos. Et tu dis non, attends, moi, vous savez, j'ai vécu très, très, très loin du pays, là-bas, aux Amériques et tout, et puis c'est bizarre, il y a des climats, c'est bizarre là-bas et tout. Donc c'est ça qui a fait que. Et puis, vous savez, dans chaque famille, il y a toujours un petit garçon hein, qui est un peu têtu. On appelle un peu le Toto de la famille. -vous et ce petit garçon dit C'est un est bizarre. Je ne le crois pas. Je, je ne le sens pas. Et puis ça m'a dit Toto, arrête-toi. Et puis, donc, la chauve-souris qui est là, qui écoute donc, la, ré les, la réunion, qui écoute la réunion. Et puis, à un moment donné, euh, le, 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 le patriarche de, 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 de la tribu parle et parle et parle. Et puis, et puis, la souris est là. Et puis, à un moment donné, voilà un gros chat qui arrive. Et toutes les souris fuient. Et à un moment donné, la chauve-souris, au de fuir le courir comme les autres souris, elle s'est mise à s'envoler. Et puis, Toto qui dit à sa maman, je t'avais dit que le tonton là, il était bizarre. T'as vu Depuis quand nous, les souris, nous volons. Nous avons toujours couru, nous avons nos quatre pattes, nous courons toujours, mais nous n'avons jamais volé. Et quand il devait revenir, il dit non, 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 ta place n'est plus ici, tu n'es pas une souris. Non, on est désolé. Et de là, on l'a chassé. Elle est partie. Et quand elle est partie, elle cherchait un lieu où être. Un lieu où être. Elle n'a pas pu trouver de lieu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Un jour, il y avait une autre réunion où c'était des oiseaux qui se réunissaient. Alors ah, la grande famille des oiseaux se réunissait. Et puis la chauve-souris s'approche. Elle arrive là et puis elle plane et puis hop. On dit mais oh d'où viens-tu es bizarre toi. Quel genre d'oiseau tu es Dit non non vous voyez j'ai ai des ailes. Hein. Je suis un oiseau. Je vole comme vous. Mais tu me quand même bizarre. Quel genre d'oiseau tu es D'ici, je suis de la famille, c'est parce que j'ai immigré euh, dans, dans les terres lointaines, et vous savez, avec le climat, avec les, les, la vie et tout et tout, là-bas, j'ai eu quelques déformations, hein, mais vraiment, je, suis parti, je fais partie de la famille. Pareil, là aussi, il y a tu aussi, un petit Gaston, hein, qui euh, n'est pas très sage, et qui dit, il est bizarre ce tonton. Et hey, maman, regarde, il est bizarre ce tonton qui arrive, qui a des dents et tout, depuis quand les oiseaux ont des dents Nous, les oiseaux, on a un bec, on n'a pas de dents. Il dit, sa maman qui le dit, arrête Gaston. Arrête de faire ça. Arrête de dire ça, Gaston. Et la réunion a commencé, la réunion battait son plein, et donc pareil, le patriarche de la réunion, de la famille, en train de dire, d'arranger la foule, de donner des conseils et tout. Et puis tout d'un coup, il y a un épervier qui passe par là. Et il passe, tout le monde s'est caché. Après, on a continué, dès que le calme est revenu, le, 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 le patriarche a continué à parler, a continué à parler, puis tout d'un coup, il a dit vraiment quelque chose, où tous les oiseaux se sont mis à, rire, à éclater de rire. Et la chauve-souris qui se met à éclater de rire, et ouvre sa grande gueule, et on voit quoi Des dents. Et voilà le petit garçon qui dit, maman, regarde, dans la bouche des tontons, le tonton a des dents. Depuis quand les oiseaux ont des dents Et quand le patriarche dit, mais c'est vrai, depuis quand les oiseaux ont-ils des dents Les oiseaux n'ont jamais eu des dents. Monsieur, tu ne fais pas partie de la famille, tu es un espion, dégage. Et il est dégagé. Donc on l'a chassé de là. Donc du coup, il ne savait plus où aller. Il n'avait pas de place chez les souris. Il n'a pas de place chez les oiseaux, et pourtant il se disait, chauve-souris, il vole comme un oiseau, il a des dents comme une souris, mais il n'a aucune famille. Où demeures-tu Notre sujet de ce jour, c'est comment on peut perdre sa bénédiction. Donc je disais au départ que la première condition... Pour perdre sa bénédiction, c'est quand on n'a pas de demeure. Où demeures-tu Si tu n'as pas de demeure, tu peux perdre facilement ta bénédiction. Parce que Dieu réserve des bénédictions pour ses enfants. Mais si tu n'as pas de demeure, où veux-tu que Dieu te donne cette bénédiction Il y a aussi une bénédiction que nous recevons de manière communautaire. Et si tu n'as pas cette communion, si tu n'as pas cette demeure-là, comment veux-tu recevoir ta bénédiction Donc nous pouvons perdre notre bénédiction. L'autre aspect de comment perdre notre bénédiction, c'est également lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous recommande. Parce que Dieu a mis des lois qui permettront que nous puissions les vivre, nous puissions les suivre, pour pouvoir non seulement hériter, mais garder notre bénédiction. Vous savez, le tout, par exemple, par exemple, pour les guérisons, le tout n'est pas de recevoir une guérison, mais aussi on peut perdre cette guérison. On peut perdre la guérison parce que Dieu te donne une guérison et nous connaissons dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu a vu cette femme, il a dit, va, ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. La personne avait été guérie. Oui, Jésus avait guéri la personne. Mais Jésus a fait une recommandation. Va, ne recommence plus, de peur que pire ne t'arrive. Voilà comment nous pouvons aussi perdre notre bénédiction lorsque nous avons reçu de la part du Seigneur. Nous devons faire attention. Nous devons alimenter cela. Nous devons vraiment protéger cela. Nous devons prendre soin de cette grâce que Dieu nous a donnée. Cela ne veut pas dire que nous devons être omnibulés par la bénédiction que Dieu a donnée, non, mais nous devons simplement faire attention, être attentifs, être prévoyants, afin de ne pas perdre ce que Dieu nous a donné. Nous pouvons perdre nos bénédictions si nous n'avons pas pris soin, si nous ne connaissons pas la valeur de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Il y a donc des choses dans la vie que nous devons savoir lâcher pour pouvoir bénéficier de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Je disais que comment on peut perdre également la bénédiction de Dieu. Voyons par exemple cette histoire du jeune homme riche que nous connaissons tous dans Luc 18 et à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit Il ne te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il est question ici d'un chef. Donc, quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui dispose de biens, quelqu'un vraiment qui a une notoriété. C'est un chef. Et il vient voir Jésus. Donc, il a, il a des possessions. Il vient voir Jésus et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume Non, pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui dit ce qu'il faut faire. Il dit tout ça. Il y a des choses que tu dois lâcher pour hériter ça. Et quand Jésus lui a dit ça, il a dit, ah, non, 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 non. Je ne peux pas lâcher tout ce que j'ai. Je ne peux pas lâcher ça. Mais le plus, plus, plus souvent, nous aimons regarder à la dépense. Et très peu... Regarde à la récompense. Voilà comment nous perdons notre bénédiction. Nous pouvons regarder à la dépense au lieu de regarder à la récompense. Or, oh, la récompense ici, c'était la vie éternelle. Et la dépense ici, c'était de vendre ce qu'il avait afin d'hériter la vie éternelle. Il a préféré regarder à la dépense. Et la vie il a vu qu'il ne pouvait pas, alors que la récompense était beaucoup mieux. Ce chef a perdu la bénédiction. Dans la vie, il est important. Nous devons savoir lâcher certaines choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de la manière où Jésus a dit à ses disciples de faire asseoir la foule. Il leur a dit faites l'asseoir asseoir sur l'herbe verte. Certains auraient pu dire Écoutez, non, je suis bien habillé, je ne peux pas m'asseoir là. Ah non, 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 ce n'est pas possible de m'asseoir là. Et s'il ne s'était pas assis, il n'aurait pas eu sa part de nourriture. Mais ceux qui étaient assis ont eu leur part de nourriture. Donc, savoir lâcher certaines choses pour gagner d'autres. Ici, nous avons donc vu que le chef, malgré tout ce qu'il a pu faire, il croyait que c'était des acquis pour lui, mais il lui manquait l'essentiel. Et à que l'essentiel, il pouvait tout avoir par la suite, puisqu'il avait la vie éternelle, il pouvait hériter de la vie éternelle. Il n'a pas voulu de cela. Donc, je disais que des fois, il est important de savoir lâcher certaines choses pour en gagner de meilleures. Lorsque nous refusons de lâcher certaines choses pour en gagner les meilleures, nous perdons la bénédiction. Alors, comment on peut perdre sa bénédiction Lorsque nous n'avons pas de demeure, là où Dieu peut nous rencontrer, là où Dieu peut nous bénir, là où Dieu peut nous visiter, nous perdons notre bénédiction. Lorsque nous ne sommes pas dans les voies que Dieu a tracées pour nous, Lorsque nous, nous, nous volontairement, nous voulons marcher à côté, nous en voulons suivre nos propres voies, nous perdons notre bénédiction. Lorsque nous ne voulons pas suivre les, les, les recommandations de Dieu, de ce qu'il nous a dit par rapport à ce qu'il nous a donné, alors, alors qu'il nous a mis dans un univers, dans un environnement, lorsque nous ne voulons pas suivre cela, nous perdons notre bénédiction. Or, qui aimerait perdre sa bénédiction Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui aimerait perdre sa bénédiction. Nous le voyons même dans la vie de tous les jours ici. Les gens se battent pour les acquis. Et quand on veut leur enlever cela, c'est grève, c'est la grève. Parce qu'on ne veut pas perdre nos acquis. De la même manière, nous ne voulons pas perdre nos bénédictions. Il y a une chose à faire, c'est l'obéissance. C'est déjà avoir une demeure. Si tu n'as pas de demeure, il est important que tu cherches à en avoir une. Et je vais t'aider dans la prière pour trouver une demeure. Là où Dieu veut que tu sois. Et sache que si tu es là, si Dieu t'a planté là, tu dois t'épanouir. Si Dieu t'a planté là, tu dois pousser. Si Dieu t'a planté là, tu dois vraiment euh, grandir dans cette demeure-là. Nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, je prie à toi en ce moment précis pour mon bien-aimé. Pour ma bien-aimée, qui m'écoute Seigneur qui est à la recherche d'une demeure. Qui a peut-être perdu sa demeure à cause de l'influence. Des uns et des autres, mais qui veut retrouver sa demeure parce que mon bien-aimé, ma bien-aimée voit, Seigneur, que ses bénédictions lui passent par-dessus la tête. Sur ce qu'elle a pu demander passe. Seigneur, je crie maintenant à toi. Toi qui nous connais, toi qui sens nos cœurs et nos reins, toi qui dis demandez, vous recevrez. Seigneur, je m'associe à mon bien-aimé, à ma bien-aimée maintenant, et te demande, Père, dans ta grâce, dans ta miséricorde, de conduire ses pas. D'ouvrir ses yeux, de l'aider pour que maintenant il trouve demeure. Montre-lui cette demeure dont il a besoin, où il ou elle peut s'asseoir afin de recevoir. Oui, Seigneur, merci pour cette demeure. Et toi, bien-aimé, maintenant que tu as reçu, tu as vu cette demeure, tu as reçu cette demeure. Reste là. Ne va pas de maison en maison, ne te déplace pas de lieu en lieu, mais reste dans cette demeure et sois béni là. Au nom de Jésus. Amen.